Vendredi 24 mars 2020, yo pokin chen bonsoir à bonjour pour chaque grand fanatique zami, abonné compatriote quel que soit côté dans monde là, et n'a dit bonjour. Et ben nous déjà souhaité yon très bonne journée et avec sécurité pour chaque grand monde qui se sorti Haïti ou bien ou de l'autre côté, et ben nous bon seul donc conseil pour c'est prudence, la prudence mesdames et messieurs. André Michel nous connaît qui c'est avocat peuple là, et bien hier dans occasion et donc ça André Michel fait beau déclaration surtout accompagné divers membres en dans SPNH 17 là tant que porte-parole là et donc qui c'est ceci divers autres membres encore et avocat Mani donc André Michel en pile monde donc négocié gain pour fond sitting dans pays là malheureusement. Eh bien, ça va arriver fait, mais les gars, tu fais conférence pour la presse et en pile parole, tu dis, en pile cause parler. Eh bien, nous connaissons André Michel lui-même toujours des frappes pour le bail dégeler au châle, mêlé avec le président Jovenel Moïse. Nous n'avons pas même besoin d'où qui ça. André Michel dit là, et les gars, c'est menté, il a attaqué Léon Charles, il a taclé Léon Charles, il a fait Léon Charles respecter le monde, il a fait Léon Charles. Donc il y a respect pour les policiers qui sont des policiers qui sont passés dans l'académie et pour avis de recherche tout et Léon Charles Lagué derrière donc divers membres en dans SP et donc Phantom 609 yo et ben André Michel fait connait Léon Charles pas qu'à mettre avis de recherche des citoyens qui travaillent et là yo connaît tout bon vrai qui côté policiers et ici travail n'est pas travail et ben avis de recherche ça pas de place là selon mais André Michel. Donc nous allons inviter tant de réactions, nous allons inviter des réactions de M. André Michel avec M. Mani qui parle et bien bah, plus de détails et informations dans le dossier ça qui joue aujourd'hui à là. Et bien il y a face à face PNH là et puis face SPNH 17 et bien qui c'est syndicat la police nationale 17. Donc je dis à là son bataille, son véritable bataille qui éclatait entre Léon Charles mêlé avec donc membre Phantom 609 avec SPNH 17 mesdames et messieurs. Nous allons te suivre, nous allons te regarder avec nous comment ça te pas oublier, continuer à abonner avec TV La Caille, guys, pour ne pas jamais rater l'information. PNH 17, ce n'est pas une association. SPNH 17, ce n'est pas une organisation criminelle. Les gens qui ont dirigé SPNH 17, ce sont des policiers, ce sont des citoyens honnêtes, ce sont des citoyens paisibles. Et les citoyens respectables. Nous, là, je dis, pour nous dénoncer, pour nous combattre toute campagne qu'a faite pour craser le syndicat SPNH 17. Un syndicat qui a bataille pour les policiers capables de travailler dans les meilleures conditions. Un syndicat qui a bataille pour les policiers qui ont un bon salaire. Un syndicat qui a bataille pour les policiers qui ont un matériel pour être capable de faire la population en sécurité. Je dis à nous constater, Léon Charles mettait ensemble avec un peu l'autre monde, craser la police, craser le syndicat SPNH 17. Nous là, pour nous porter solidarité avec un avocat, nous là pour nous dire bataille policière, c'est bataille de population. Je dis à nous constater, le principal ennemi de la police nationale d'Haïti s'appelle Léon Charles. Le premier ennemi de la police nationale d'Haïti, c'est Léon Charles. Léon Charles fait tout bagaille pour craser la police. 12 mars 2021, ils ont massacré les policiers, ils ont assassiné les policiers. Léon Charles n'a pas rien pour récupérer les cadavres, pour faire un enterrer dans l'intimité, puis en descendant en balle, négocier à bandit pour le blender. Deuxième bagaille, nous constatons Léon Charles divise les policiers. Ils mettent All Black, ils mettent Team Léon. Mettez net balle, la montée police une contre l'autre, il mettait chien, manger chien, non, mis dans la police là. Léon Charles a crasé police là, il a utilisé police. Nous constatons Léon Charles pas fait rien pour le défendre dignité policière, pour le défendre honneur. 17 mars 2021, un policier, pour le chien Daniel Michel, il a assassiné. Pas d'enquête qui fait. Léon Charles dit, policier ça, il était dans des choucages, il était dans volet, dans
Universal Motors. Ça veut dire, objectif Léon Charles, c'est craser les policiers, c'est craser l'image de la police, c'est craser l'honneur de la police. Il ne peut pas faire un rien comme chef de la police pour défendre l'institution, pour défendre l'unité. Bagaille ça a montré que Léon Charles n'a pas de place vraiment dans tête de la police. Et si nous continuons, la fin craser la police là net alcoolique. Je dis, il faut qu'il y ait solidarité dans les policiers. Je dis, tout policier doit porter coller avec policier qui a subi répression syndicale. Tout policier doit porter coller avec Jean-Yves Delundi, qui est coordonnateur de l'Espérance. Tout policier doit porter coller avec Maï, qui travaille dans des conditions difficiles pour le défendre syndicale. Tout policier doit faire seul, parce que l'objectif Léon Charles, c'est craser la police, craser l'institution, craser prestige, craser dignité institution. En tant qu'avocat, nous allons faire ce que de droit. Il y a des avis de recherche que la police mettait contre des membres du syndicat SPNA 17. Je mettais avis de recherche contre Jean-Yves Delundi, je mettais avis de recherche contre Kerbi Jeffra. Yo décapité. Et c'est ça qu'ils veulent faire, oui. Ils veulent décapiter le SPNH. Ils veulent écraser, couper tête SPNH. Nous-mêmes, comme avocats, nous allons faire ce que nous voulons. Ce sont des avis de recherche entachés d'illégalité. Ce sont des avis de recherche émis en dehors de la loi. Ou pas capable de mettre avis de recherche contre des membres d'une institution syndicale. C'est des gens qui ont un domicile connu. Ce n'est pas des gens qui commettent infraction. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas kidnapping, ils n'ont pas commettre crime. Ils n'ont pas qu'à mettre avis de recherche contre eux. Voilà pourquoi, avec M. Maï, avec les autres avocats constitués pour défendre les intérêts du SPNA 17, nous allons attaquer par devant la justice ces avis de recherche qui ont été émis en dehors de la loi. Et je m'adresse à M. Bernard Saint-Ville. Il est le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il est le juge de la liberté. À chaque fois que la liberté d'un citoyen est menacée, automatiquement, il saisit, il fait pour intervenir. Le petit tueur. Il n'y a pas payer caille pour y arrêter. Et il y a bataille, il y a essayé de faire notre sécurité. Il y a bataille pour la sécurité. Nous ne pouvons pas quitter Léon Charles grâce à la police. Et Jean, votre parole SPNA 17 l'a dit déjà. La police là, il n'est pas pour personne, il n'est pas pour Léon Charles. C'est pour tout Haïtien. Nous tous nous devons bataille. Nous tous nous devons supporter SPNA 17. Nous tous nous devons accompagner tout policier qui a bataille pour la vie capable de changer l'institution. C'est pour le monde. Sorti pour craser l'image de la police. Depuis mon abdi, tout policier, c'est vacabon, c'est délinquant. Pour mettre tout le monde ça, il même côté avec Léon Charles, objectif, c'est craser l'institution de la police. Nous tous, nous devons camper comme une seule femme, comme un seul homme, pour nous empêcher de craser la police nationale d'Haïti, en institution républicaine de maintien d'ordre, qui a fait des efforts extraordinaires pour la sécurité dans des conditions difficiles. Merci. C'est un travail de la police.